Beloved brothers and sisters, peace be with you. How happy I am to have you today to listen to the teachings of Scripture. Today we are on September the 29th, 2019, which is the 26th Sunday in Ordinary Time. And we receive a key lesson that we must care for the poor. This well-known parable of Lazarus and the wicked rich man awakens us to the gravity of the sin of complacency. You remember the story. Now the rich man who was having a great life, having great meals, being served by numerous servants, sitting at his house, at his palace, and at his gate was a poor man by the name of Lazarus. And even dogs came to lick his wounds. But the rich man never looked at Lazarus. But what happened is that at one point, the rich man died and went to hell. And Lazarus died also, but he went to heaven. And from hell, the rich man saw Lazarus and begged God, said, please allow Lazarus to come and put his finger in water and give me a drop of cool water on my tongue. But God told him two things. When you were on earth, you had a grand life, didn't you? But you ignored Lazarus. And yes, you knew his name because now you refer to him by his name. And Lazarus was lacking everything, but now he is in the kingdom. So what is the sin of the rich man? He did not kick out Lazarus. He did not order his servant to push Lazarus out of his sight. He simply had a grand life and ignore the sufferings of Lazarus. And this is the point that Jesus wants to make, that we must be blind to the suffering of the poor. We do not sin simply when we kill, but also when we fail to do important things, when we fail to love. The rich man should have seen Lazarus, he should have had mercy, and he should have shared some of his riches with the poor man Lazarus. Now it's a lesson for me too. I must learn to be mindful of the people who have nothing. I must extend my services to the poor. This is part of the message of Jesus. So Jesus doesn't simply call us to go to church, to pray, to be gentle, but we must perform good deeds. God doesn't like people who are complacent. He wants people, you know, who go out of their way in the service of the poor. So blessed are the sisters, the priests, and lay people who put their saving and their lives in activity of service to the poor within this country and abroad. They are the true witnesses of the gospel of love. Blessed are those who use their talents and time, not simply for their selfish interests, but also for the sake of the millions of Lazaruses perishing on the streets. Keep this commandment without stain or reproach until the appearance of our Lord Jesus Christ. Frères et sœurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au 29 septembre 2019. L'Église célèbre le 26e dimanche en temps ordinaire. Et la parabole de Lazare et du mauvais riche est proclamée aujourd'hui pour nous transmettre un enseignement central du christianisme, le soin des pauvres, qui est un devoir. Le mauvais riche, vous vous souvenez de l'histoire? Il y avait le riche qui dînait chaque jour avec abondance et faste et qui était servi par
beaucoup de serviteurs et qui habitait un palais. Et à sa porte se trouvait un mendiant couvert de plaies, et ce sont des chiens qui venaient lécher ses plaies pour soulager sa souffrance. Et voilà qu'un jour, le riche mourut et fut jeté en enfer. Et Lazare lui aussi mourut et se rendit au sein d'Abraham, au ciel. Et alors, un dialogue se déclenche. Lazare, le riche, au milieu de ses souffrances en enfer, élève les yeux et voit Lazare auprès du Seigneur et demande au Seigneur d'envoyer Lazare soulager sa peine. Et la réponse du Seigneur, c'est que les choses ont changé. Tu as ignoré Lazare. Quel est donc le crime du juste, du riche méchant? C'est qu'il ignora le pauvre. Il ne combattit pas le pauvre. Il n'insulta pas le pauvre. Il ne chassa pas. Il ignora le pauvre. Et le point que nous devons retenir, c'est que nous n'avons pas le droit d'être aveugles devant la souffrance, la misère des autres. Il ne suffit pas de prier, d'être gentil, d'être bon. Il faut prendre soin des pauvres. Notre temps, notre argent, certainement doit servir à nos nécessités premières, mais doit également servir aux soins des pauvres. Le christianisme nous invite donc à sortir de nous-mêmes pour nous occuper des pauvres, et c'est un commandement central du christianisme. Le monde moderne est avancé au plan scientifique, mais reste souvent froid et indifférent en face de la misère des multitudes. Longtemps a trouvé les pauvres inutiles, nuisibles, détestables. Le Christ et l'Église, à sa suite, proclament très fort qu'ils sont nos frères destinés comme nous au salut éternel. Les ignorer, c'est ignorer Dieu. L'égoïsme, l'attachement aux biens et plaisirs de ce monde trop souvent nous aveugle. Nous n'aimons pas être dérangés, mais le Christ, tout Dieu qu'il fut, se dérangea et prit un corps et vécut parmi nous. Heureux sont les religieux et religieuses, comme les nombreux laïcs chrétiens qui accueillent cet enseignement avec joie et se mettent corps et âme au service des malades, des pauvres, des déshérités de toutes sortes. Heureux ceux qui se rendent comme missionnaires dans les pays sous-développés. Heureux ceux qui consacrent une portion de leurs revenus aux œuvres de charité. Heureux ceux qui gardent ce commandement sans tâche et sans reproche jusqu'au retour du Seigneur, comme nous le rappelle la deuxième lecture du jour. Nous n'avons pas besoin d'attendre un nouveau prophète pour nous le rappeler. Sur ce point, le Christ est éminemment clair. Range-toi du côté de Lazare et fuis la compagnie du mauvais riche, indifférent à la détresse de ses frères et sœurs. Rends-toi digne du salut réservé à ceux qui aiment véritablement, qui aiment Dieu en servant leurs frères. Que le Seigneur vous bénisse. À la content que n'a coûté Jodia, dont leçon nous joigne dans la Bible. Jodia, nous l'en 29 septembre, qui c'est 26e dimanche dans le temps ordinaire. Et Jodia, n'a recevant une leçon spéciale, qui j'en nous loué. Occupé, monde qui a un problème, monde qui pauvre. Et leçon ça, il paraît sur l'appli Évangile Saint-Luc, chapitre 16, nous avons l'histoire Saurélé, Laza avec Nèg riche. C'est qu'on a quitté riche, mangeait bien chaque jour. On bande domestique à Séville, l'habiter long palais. Devant porte la carrière, il y a Lazare, on a qui couvrit avec malingue. Et ces chiens qui étaient qu'on a bien liché malingue pour soulager souffrance. Mais Nèg riche n'a pas jamais gardé. Mais on l'arrivait,
Négrichon mourit, là l'enfer. Et puis Lazare mourit tout, là le ciel. Et là, nous voyons un dialogue, une conversation. Lazare dit, bon Dieu, voyez Lazare, pour ton petit bout de l'eau sous l'angle. Ouais. Mais bon Dieu dit, l'œil est sous terre, ou pas de jambes. Well. Essentiellement, gros leçon n'a pas ramassé, je veux dire, c'est que si vous remet Jésus, il n'est pas assez pour la prière, pour gentil, pour bon monde. Mais en même temps, tout, c'est pour qu'il prend temps avec l'argent pour servir monde qui pauvre, qui pas rien, malade, monde qui isolé, monde qui sans papier, monde qui a gros problème. Son devoir, ça fait partie de chrétien. Donc ça pas suffit pour la prière. Oui, il faut la prière. Ou commencer par ça, mais il faut découvrir dans la prière volonté, bon Dieu, pour occuper sa pauvre. Je veux dire à son gros leçon. On a dit, bon Dieu, merci pour tout missionnaire qui quitte le pays, dans le pays sous-développé, pour occuper le monde qui pauvre. Mais qui très souvent a conduit l'école pour tout le monde qui paye l'argent, et bien qui a servi l'hôpital. Tout le monde, tout. Puis le voisinage à l'occuper, moun qui malgré que par un 5 cob. C'est pour nous battre bravo pour nous, et puis nous-mêmes tout pour nous tourner dans le ça. Jésus a pas prendre nous que si découvrir qui laisse lié, quant à occuper moun qui pauvre, qui a un problème, c'est devoir. Négrichement, qui crime li commet, li pas shooter Lazare, li pas jouer Lazare, li pas même passer l'ordre pour nous. Mettez Lazare dehors la caille, mettez Femmegel devant misère frère. Nous-mêmes, tous, nous parlons de Femmegel, mais c'est pour dévouer dans le service monde qui a un problème. Ça fait partie de l'enseignement Jésus. C'est pour bon Dieu bénir, ou même tout leur pas prendre, belle leçon ça.